Bonsoir à toutes et tous. Le mardi, tout est permis. Et ce soir, c'est un BD concert pour toute la famille que nous vous proposons dans le Baume du Tigre, avec le musicien nantais Vincent Dupas et les auteurs fondateurs des éditions Polystyrène, Pierre Jeannot et Adrien Thiorader. Suivez l'histoire foutraque de Donjons et Cartons, coupée de quelques interludes pour faire connaissance avec les artistes et découvrir les dessous de ce projet audacieux. Et puis, on restera dans le thème avec la chronique « Dans l'œil du tigre » dédiée à Maison Fumetti, fierté nantaise du 9e art, dont on entend parler de Nantes à Tokyo et d'Angoulême à Rezé-les-Coué. Sans oublier la petite note loufoque de Samantha Fox et Rookie. Alors c'est parti pour 35 minutes de héros inconnus, de donjons en carton et d'histoires farfelues. Dans une région lointaine existent les gardiens du Tantien. Deux statues qui portent chacune une relique sacrée, sans lesquelles un événement météorologique dévastateur s'abattrait sur le monde. Alexis, le protecteur des gardiens du Tantien, est bien tranquille, et cela fait plus de 57 ans qu'il n'y a pas jeté un œil. Mais ce matin, en sortant son nez de la taverne, les nuages noirs et le vent d'ouest lui mettent la puce à l'oreille. Il se décide enfin à se rendre au plus près des statues. Stupeur, les reliques ont disparu. Le monde est en danger. Il n'a plus que quelques heures avant le grand cataclysme. Vous êtes Alexis, qui a toujours mille voix dans sa tête, et vous devez retrouver ces objets qui ont probablement été volés par des forces du mal. Vous prenez la route, à vous de choisir le chemin à prendre. À la fin de chaque tableau, vous aurez deux choix proposés. Et vos décisions nous mèneront vers le sauvetage, ou non, de notre chère planète. Thank you.
Normalement, nous jouons devant un public et nous demandons si ils veulent faire le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, mais aujourd'hui, c'est Eric qui va faire le premier choix. Alors Eric, est-ce que tu veux aller dans le donjon ou est-ce que tu veux aller visiter le village ? Je vais opter pour le donjon. Tu aimes vivre dangereusement ? Un peu. Hugo, cette fois, je vais te demander si tu veux fouiller dans cette armoire ou si tu veux fouiller dans la malle, le coffre. Bah, je suis plutôt tenté de fouiller dans la malle. Thank you.
Est-ce que vous sortirez indemne de cette course-poursuite? Venez nous voir et vous le saurez. Bonsoir. 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 Bienvenue dans le Baume du Tigre. Vincent Musicien, Adrien et Pierre, vous êtes co-fondateur des éditions Polystyrène. Oui, c'est ça. Spécialisé dans le livre-objet. C'est ça, exactement. La bande dessinée livre-objet. D'accord. C'est-à-dire de la bande dessinée à manipuler différemment, en fait. Tout simplement des livres à déplier et tout ça. Donc ce sont des livres-jeux, des livres avec lesquels on s'amuse et qui offrent une matière. Est-ce que ça peut être un point de départ à cette idée de donjon et carton, qui est une autre forme de BD, mais cette fois-ci interactive également avec le public? Oui, en fait, avec les éditions Polystyrène, donc on travaille sur le livre-objet et un petit peu sous la contrainte, quoi. Et quand on a commencé à réfléchir avec Pierre à des idées de concerts dessinés, on voulait travailler avec une espèce de contrainte de comment faire ressortir quelque chose qui soit intéressant pour le public. Et donc, on a tourné la chose sur l'interactivité avec le public, faire participer le public à notre concert. C'est assez rare comme formule. Je n'ai pas vraiment entendu parler beaucoup de BD concerts jusque-là. On connaissait le catch à moustache qui permettait aussi cette interactivité. Mais les BD concerts, vous êtes un peu les pionniers peut-être en France de ce type de spectacle ? Je ne sais pas si on est les pionniers. Je pense qu'il y a plein de formes qui ont été proposées, qui sont proposées, qui seront proposées. Nous, c'est plus calme que le catch à moustache, mais voilà, c'est une autre forme. Est-ce que de passer du dessin, de livre-objet, de bande dessinée à la scène est une façon aussi d'entrer en contact avec ce public? En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'inscrit plus dans une démarche de festival de bande dessinée qui propose de plus en plus de spectacles vivants, de concerts, et en même temps ces formules hybrides. Enfin, la Maison Fumetti sur Nantes est un bon exemple par rapport à ça. Et donc, à la fois, oui, ça permet de retrouver le public qui va s'intéresser à ça, et en même temps, de permettre d'ouvrir des portes vers d'autres médiums aussi, quoi. Mmh. Donc, et justement, cet autre médium, c'est la musique qui est associée à votre spectacle. Comment s'est passée la rencontre avec Vincent? Et d'ailleurs, Vincent, tu peux peut-être parler de ça, toi-même? Tout à fait. On s'est rencontrés, je pense que c'était il y a 4 ans. Il y a un festival qui nous a proposé de faire un concert dessiné. On ne se connaissait pas à l'époque. Et c'était un concert dessiné qu'on a joué en fait pendant les 4 dernières années avec une vraie histoire. Voilà, c'était sur mes morceaux, mais il y avait on racontait une histoire. Et quand ils ont créé Donjon et Carton, ils m'ont proposé de faire la musique et donc de continuer cette collaboration. Avec un petit peu plus de piment, puisque à la fin de chaque tableau qui est dessiné, les gens choisissent où on va aller. Et ça nous emmène dans des territoires parfois un peu inédits, et pour la musique et pour le dessin. Et voilà, ça fait des choses assez chouettes finalement, parce qu'on ne sait pas ce que l'on va jouer, on ne sait pas quelle est l'histoire que l'on va jouer. L'univers musical de Vincent Dupas a dû vous toucher pour que vous ayez choisi de collaborer ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon d'emmener un nouveau type de public à s'intéresser à l'univers des enfants, en sachant qu'on est très loin de celui d'Henri Dess, hein, par exemple? Est-ce que c'est une façon d'emmener le rock aux enfants et de moderniser un petit peu l'image qu'on pourrait avoir des spectacles pour enfants? Oui, je pense, parce que en fait, on n'a pas forcément idée qu'un type de musique peut aller avec un type de dessin. Et quand nous, on dessine, on prépare nos dessins pour des concerts dessinés ou même qu'on fait de la bande dessinée, le fait de jouer, enfin d'avoir de la musique par-dessus, ça change complètement le rapport qu'on a entre le dessin et la musique, quoi. Et ça donne quelque chose d'assez de nouveau, quoi.
Et je pense que c'est une bonne manière à la fois pour les gens de découvrir la bande dessinée, le dessin, et de découvrir aussi des styles de musique que on n'a pas forcément, enfin, que certaines personnes n'ont pas forcément l'habitude d'écouter, quoi. Et il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre les deux qui est vraiment hyper intéressante. Il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à ce que tu disais sur les enfants, c'est que les enfants, en fait, ils vont devenir vachement plus sensibles, j'ai l'impression, à un style musical, du moment que tu vas avoir un support visuel assez fort. Et ça, comme porte d'entrée, en fait, ça fait une espèce d'accroche supplémentaire pour comprendre la musique qu'ils sont en train d'écouter. Tout à fait. Et donc, du coup, oui, ça peut aider. Ouais. Et du coup, qui s'amuse le plus à vos BD concerts, ce sont les enfants ou leurs parents ? C'est nous. J'en doute pas à vous avoir vu. Les parents, quand même, aiment bien, ils aiment bien aller à la taverne. En général, hein, c'est les premiers à s'arrêter boire un verre, alors que les enfants vont plutôt aller dans les rivières, ils vont aller dans les marécages, voilà. Est-ce que vous avez justement des sorties de prévues, peut-être d'ouvrages, qu'on pourrait recommander à nos spectateurs aujourd'hui ? C'est déjà sorti. C'était donc ouais, j'ai fait un bouquin, un truc de 1 kilo chez Tanibis, aux éditions Tanibis. C'est de la bande dessinée. Ça fait 200 pages et des brouettes. C'est sorti en octobre dernier. Donc c'était en sélection à Angoulême. C'est beau, et c'est toujours en librairie. Donc là, ça s'appelle Connexion. Ça s'appelle Connexion, c'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Le principal. Et justement, toi, Vincent, aussi, tu es dans des actus musicales, bien que le live, évidemment, soit gelé en ce moment. Voilà, des concerts derrière des caméras. Et puis, je suis en train de préparer un disque, notamment avec les deux musiciens qui nous accompagnaient tout à l'heure. Et avec les deux dessinateurs qui sont à côté. Ça, ils ne le savent pas encore, je viens de leur dire. Quoi ? Et bien, j'espère qu'on va vous retrouver très très prochainement sur scène avec du public qui pourra interagir avec votre formidable BD concert Donjon et Carton. On se retrouve tout de suite avec un titre acoustique, puis on retrouvera un court reportage sur Maison Fumetti dans la rubrique Dans l'œil du tigre. En quelques
de long. Tu nous sortiras de long. Tu nous sortiras de long. Je m'appelle Thomas Brochard, donc moi je m'occupe de l'événementiel des expositions à Maison Fumetti, qui est une association installée ici à Manufacture du Tabac depuis 5 ans, qui fédère des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires autour du dessin, de la bande dessinée locale, avec deux actions principales. La première, c'est la valorisation de cette scène locale au grand public, avec le Festival Fumetti, avec des expositions, avec des spectacles, rencontres, etc. Et l'autre volet, c'est le soutien à la pratique de la bande dessinée, aussi bien amateur que professionnel. On est moins visible que d'habitude, mais on a quand même quelques propositions qui se maintiennent. On a ici donc une micro-exposition, la case à Maison Fumetti. La case, c'est donc un mini-espace d'exposition d'un mètre carré qui change tous les mois. Et là, en ce moment, on accueille les canevas pixel art de Gauvin Manhattan jusqu'à mi-avril. On a des affiches aussi qui sont un peu partout dans la rue, dans les panneaux, sur l'affichage libre. Donc ça, c'est à retrouver au hasard dans la rue ou sinon sur nos réseaux sociaux, site internet. Là, on travaille essentiellement sur deux projets. Je parle de la programmation publique, évidemment. C'est une exposition qui prendrait la forme d'atelier, en fait, avec des enfants qu'on ferait en avril-mai. Et puis, c'est le festival quand même au mois de juin, qui aura certainement pas la forme qu'il a d'habitude. Mais on aimerait bien quand même maintenir une proposition, un moment un peu chaleureux, même avec les contraintes sanitaires, mais un peu chaleureux quand même. Même si notre activité est en grande partie remise en question, déformée un petit peu, ou réinventée, ou parfois malheureusement complètement annulée, il y a un truc qui est très important pour nous, c'est de garder du lien avec les artistes. C'est une profession qui est très précaire. C'est assez dur de se permettre de dire, en fait, pendant un an, on ne fait plus rien pour vous et débrouillez-vous. Donc c'est un temps qu'on met un peu à profit pour travailler avec les auteurs qui sont ici à l'atelier Manu Manu. À Maison Fumetti, il y a pas mal d'auteurs qui travaillent sur le temps long ou des résidences plus courtes. Le parti qu'on a pris, c'est plutôt de penser des choses un peu sur le fond, mais sans vraiment les organiser, et d'improviser au maximum quand on aura le droit de faire des choses et quand on saura dans quelles conditions on peut les faire, quoi.
It's me, Mario.